C'était en quelle année déjà? C'était quelle date exactement? Quel âge aviez-vous à l'époque? En rêviez-vous depuis longtemps? Leur en parliez-vous quelquefois? Le faisiez-vous avec passion, avec ferveur, exaltation, avec angoisse, appréhension? Disiez-vous goodbye to all that? Wie Gott in Frankreich leben, heureux comme Dieu en France. Pourquoi avoir choisi la France? Était-ce à cause des Lumières? Était-ce à cause du Front populaire? Était-ce à cause d'Émile Zola? Aviez-vous fait d'autres tentatives? Dans quel pays? Combien de fois? Pourquoi ne pas avoir choisi l'Amérique, la Palestine, l'Argentine, Shanghai, Madagascar, l'Ouganda, le Birobidjan, la Belgique? Était-ce à cause de Baudelaire, de Rimbaud, de Victor Hugo? Comment dit-on, où se trouve l'atomium en flamand? Var liegt das Atomium? Comment dit-on, parlez-vous polonais en polonais? Czy mówicie po polsku? Et d'où venez-vous? Comment vous appelez-vous? Ont-ils dit qu'il était trop tard, qu'ils étaient trop habitués, trop âgés pour recommencer, trop résignés pour tout quitter? Est-ce qu'ils vous ont encouragé? Ont-ils tout fait pour vous retenir? Était-il décidé à rester? Étiez-vous résolu à partir? Pour quel motif, quelle raison, quelle cause? Et pourquoi à ce moment-là, justement? S'était-il passé quelque chose? Ou bien en avez-vous eu assez, simplement? Vouliez-vous juste vivre autrement? De quoi en avez-vous eu assez, réellement? Du mépris, de la faim, de la guerre, de la peur? Ou bien vouliez-vous juste vivre ailleurs? En aviez-vous simplement assez de la règle, de la dureté de la règle, de leur soi-disant terre promise et de leur soi-disant exil? Quand le leur avez-vous dit? À table? Le soir? À midi? Y a-t-il eu des scènes, des cris, au déjeuner ou au dîner? Comment leur avez-vous annoncé que vous vouliez vous libérer, premièrement, de leur fanatisme, deuxièmement, de l'obscurantisme, troisièmement, de leur particularisme alimentaire et vestimentaire, vous affranchir du nom des pères, du destin lié au nom des pères? Leur avez-vous, avec amertume, reproché leur humilité? Avez-vous, avec virulence, stigmatisé leur vie étriquée? Les avez-vous profondément offensés? Ont-ils été violemment ulcérés? Vous ont-ils maudits, chassés, traités de mauvais fils, reniés? En tout cas, quelque chose comme ça. Vous ont-ils frappé? Avec quoi? Est-ce que c'était la première fois? Que faisaient vos mères? Pleuraient-elles? Vous retenaient-elles par le bras? Vous embrassaient-elles les mains? Vous disaient-elles qu'elles en mourraient, que vous les tuiez de chagrin? Vous disaient-elles, comme Anticléa, Anticléa, la mère d'Ulysse, que le regret de vous, que le souci de vous, votre tendresse même, leur arrachait la vie à la douceur de miel? Est-ce que leur vie avait la douceur du miel? Êtes-vous sorti précipitamment? Avez-vous fait claquer les portes?
Vous êtes-vous jeté sur vos lits? Vous êtes-vous levé, assis? Aviez-vous peur? Étiez-vous triste? Étiez-vous heureux, soulagé? Vous êtes-vous senti libéré? Vous êtes-vous senti enfin libre? Leur attention, leur sollicitude, leur amour vous ont-ils pesé? Avez-vous vidé vos armoires? Ouvert puis fermé vos tiroirs? Avez-vous rangé, nettoyé, fait les 100 pas, marché dans la chambre, touché ici et là des objets, souvenirs, bibelots, briquets? Ouvert puis fermé la fenêtre? Avez-vous trié des papiers? Relu puis déchiré des lettres? Les avez-vous brûlés, cachés, confiés à un ami, gardés? Aimiez-vous lire? Quel genre de livre? Roman, théâtre, poésie? Et votre écrivain favori? Connaissiez-vous Mickiewicz et Sienkiewicz et Witkiewicz? Aimiez-vous Tchekhov, Saltykov, l'ange scellé de Leskov? Quel livre auriez-vous pris sur une île déserte? Lequel avez-vous pris finalement? L'Odyssée, la Métamorphose, Jean-Christophe de Romain Rolland? Et puis quoi d'autre également? Aviez-vous fait une liste des choses à emporter? Passeport, parapluie, argent, brosse à cheveux, à ongles, à dents, brosse à chaussures, cirage, étui à cigarettes, blaireau, rasoir, mouchoir, ceinture photo, lunettes. Par quelle gare deviez-vous passer? Combien de fois deviez-vous changer? Combien de jours alliez-vous mettre? Saviez-vous au moins où loger? Aviez-vous au moins une adresse? De la famille, des amis, des parents lointains? Aviez-vous peur de manquer le train? Aviez-vous peur qu'il soit bondé? Peur de ne pas pouvoir monter? Étiez-vous lourdement chargé? Aviez-vous pris de quoi manger? Aviez-vous aussi de quoi boire? Vous avait-il accompagné? Vous étiez-vous réconcilié? Vous avait-il pardonné? Vous ont-ils fait longtemps des signes?